Bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h à la une de ces mardis. Sans audience ni protocole, le président de la RDC pendant plusieurs minutes a discuté avec la population de Kasumba-Lessa. Lors de son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a informé que 40 000 jeunes en formation militaire seront dans le tout prochain jour affectés dans des sites bien ciblés pour combattre l'ennemi. Vous entendrez les garants de la nation au début de ce journal. Également au sommaire, c'est une première pour la RDC. Le pays va siéger pour la première fois en tant que membre actif à l'Assemblée générale extraordinaire de Shelter Afrique et des assises qui s'ouvrent déjà demain jusqu'au 6 août à Alger en Algérie. La voix de la RDC sera portée par le ministre d'État en charge de l'urbanisme, Kusumwa Bilou. Les détails dans un instant. Et enfin, des hélicoptères de la MONUSCO seront mis en contribution pour déployer des kits électoraux dans des zones difficilement accessibles pour la bonne tenue des élections. Le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC en charge de la protection maintien des opérations de la paix l'a dit au gouverneur militaire. C'était au cours d'un échange entre les deux personnalités. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale à Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, sans audience ni protocole, le président de la RDC a discuté pendant plusieurs minutes avec la population de Kasumba-Lessa. Lors de son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a informé que 40 000 jeunes en formation militaire seront dans le tout prochain jour déployés, affectés dans des sites bien ciblés pour combattre l'ennemi. On écoute les garants de la nation. Bana Kasumba-Lessa, Nazali na Esengo Mingi. Ya komona bino lelo bosali ngai surprise monene na ndimaki te ke bokokai koya ebele boye. Merci mingi na tondi bino botondi na mama totamboli na ye na delegation na biso mobimba Kasumba-Lessa amjambo. Tozala na patience, boyebi que campagne électorale est bandi na noté. Na sengi bino, bobomba énergie na bino, tango tokobanda campagne électorale. Bona sikoyo, toye kotambo la tomo na bino, pe totala ma réalisation ya mandat na biso po bato ya motema likunya balingai bakosela biso makambo ke tosali mosala te yango toye komitalela biso moko mosala oyo tosali pendant mandat na biso. Na lobi boye, toye kotala bino awa, pototala ba réalisation o esalemi, uta mandat ebandaki. Ndenge tolobaki yango, uta ebandaki, ezali mandat ya kosalela peuple na biso mosala. Tolobaki ndenge leader na biso alobaka, le peuple d'abord. Yango wana misala na biso nyonso ezalaki kotala likambo oyo babengi bolamu ya peuple. Décision ya liboso tobandaka na yango soki bozali kokanisa malamu ezalaki oyo ya gratuité de l'enseignement. Lelo ndenge tozali koloba bana na biso ebele bana ya mike ya basi pe mibali bakomi kotanga kelasi na ekole primaire tozali lisusu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Félix-Antoine Tshisekedi, dans une salle de classe et assis sur un même banc avec un élève de l'école primaire à Kilidé dans le territoire des Kasomeno. Vous les verrez en image. Cette école est la première école construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Et elle a été officiellement remise à ses responsables par le chef de l'État, Guilain Kabalondi, pour le reportage. Merci.
une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix-Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasumeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ses enfants, au regard des richesses qui regorgent ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans le monde. L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasumeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sous le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. L'RDC et la Zambie bientôt reliés, le président congolais et son homologue zambien ont procédé à la pose de la première pierre de construction d'un pont jeté sur la rivière Luapula, situé entre la RDC et la Zambie, qui aura une distance de 345 mètres de largeur. Ces travaux de construction vont durer 3 ans. Plus de précisions avec Guylain Kabalondi. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chalwe devient, 10 ans après, une réalité. Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADC, Communauté de Développement de l'Afrique australe, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Akayinde Ishilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne de Chalwe, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellée lors de la cérémonie de ce jour, consacré au lancement des travaux de construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chalwe et le pont Aouban à jeter sur la rivière Luapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 dollars a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages, à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'avoir personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont. Parce qu'on avait des difficultés, parfois le véhicule traversait sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga et Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président bâtir des dons. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. La matérialisation de cet ouvrage va renforcer la transaction économique entre la RDC et la Zambie, estiment certains acteurs sociopolitiques présents lors de cette cérémonie. On les écoute. Kasumbalesa aujourd'hui est en ébullition, c'est le Haut-Katanga qui reçoit le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour sa première fois qu'il sera à Kasumbalesa en tant que président de la République. Et donc c'est un événement, certes il vient pour inaugurer
le nouveau bâtiment de la douane. Il vient pour inaugurer la route de 145 kilomètres qu'il a construit. Il vient pour inaugurer les ports secs qu'il a construit à Sakania. Il vient pour inaugurer, pour visiter l'école qui est en chantier au niveau de l'église catholique. Il vient pour visiter la substation de la SNEL qu'il est en train de financer ou de construire pour la population, pour desservir la population de Kasumbalesa en énergie électrique. Et donc c'est un grand événement. Le chef de l'État, il a montré que c'est un homme de terrain. Voilà, aujourd'hui, il est dans le Haut-Katanga profond pour devoir donner des solutions aux problèmes de ses concitoyens. Et donc nous sommes très satisfaits et je crois que tous les Haut-Katangais sont d'accord, unanimes, que le président Félix Antoine Tshisekedi mérite d'être à Kasumbalesa aujourd'hui et d'être accueilli triomphalement comme chef de l'État. Le sentiment qui nous anime, comme vous pouvez le voir, c'est un sentiment de liesse, un sentiment de joie, parce que Kasumbalesa est auréolé. Aujourd'hui, dans peu de temps, nous allons être une capitale politique par la présence du numéro un d'entre nous. Et donc, cette population en liesse attend avec joie l'arrivée du président de la République, le chef de l'État, qui nous a honorés par sa présence. Et quels sont les objectifs dans cette nouvelle période depuis 2018? Quels sont les objectifs que nous attendons de la Canada? Absolument, plusieurs sont à faire. C'est notamment la voirie urbaine qu'on n'a pas. L'administration doit devoir s'asseoir. Il n'y a pas encore de bourgmestre nommé et qui doit animer les communes. L'accès à l'eau comme partout, l'électricité. Et voilà, et donc l'emploi des jeunes manque. Notre demande, c'est que l'entreprise Sodimico qui est ici puisse créer une entreprise qui reprenne ses activités et laquelle l'entreprise peut encore redonner espoir. Et la province voisine, la province du Lualaba, porte déjà ses habits de la fête. Le décor est déjà planté dans la ville de Kolwezi pour accueillir dans quelques jours le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà des affiches d'accueil placées dans plusieurs coins, la population aussi mobilise pour accueillir les garants de la nation. Regardez. Amen. Amen. Les enfants du Lualaba, la population du Lualaba dit merci. Merci à Fati, parce que Fati a pu découvrir dans une femme l'intelligence de suivre ses instructions. Aujourd'hui, la province est en train de se transformer. Avec tout ce qu'ils nous donnent comme instruction, nous allons changer la RDC. En commençant en tout cas par la province du Lualaba. C'est une ville de Kolwezi en ébullition qui vit dans l'attente de l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une visite de travail d'itinérance dans le Grand Katanga. Kolwezi se métamorphose au jour le jour avec des ouvrages qui n'attendent que leur inauguration officielle et des chantiers où des travaux d'envergure s'exécutent sans relâche. À l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en train d'être érigé. Objectif, garantir la fluidité de la circulation sur l'autoroute des véhicules entrant et sortant dans le chef-lieu de la province de Lualaba. Dans la périphérie de la ville, l'aérogare de Kolwezi est construit conformément aux normes internationales. Les travaux sont finis, il ne reste que quelques aménagements, notamment le parking de l'aérogare. Dans les halls, l'on trouve deux dispositifs, les arrivées et départs pour les nationaux et les mêmes dispositifs pour les vols internationaux. L'Assemblée provinciale du Lualaba a son nouveau siège, mettant ainsi fin à son statut de locataire. Il s'agit d'un somptueux bâtiment qui abritera l'hémicycle du Parlement, disposant d'une grande salle de plénière et des locaux
pour le président de l'Assemblée provinciale et les membres de son bureau, ainsi que de notre bâtiment administratif où le président de l'Assemblée provinciale et chaque député sont dotés des bureaux. Il ne s'agit là que d'un échantillon des nombreux et grands ouvrages des reconstructions et des développements d'écologie qui réconforte la vision du chef de l'État sur la promotion du leadership féminin incarné dans la province du Lualaba par Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Des hélicoptères de la MONUSCO seront mis en contribution pour déployer les kits électoraux dans des zones difficilement accessibles. Pour la bonne tenue des élections, le représentant spécial adjoint de l'ONU en RDC, en charge de la protection et maintien des opérations de paix, l'a dit au gouverneur militaire. Plus de précisions avec Junior Selemani. La MONUSCO réaffirme son engagement logistique d'appuyer la CENI dans les transports de kits électoraux dans des zones inaccessibles. En prévision des élections de décembre 2023, ceci conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en charge des opérations de maintien de la paix et de la protection, l'a dit ce lundi 2 octobre 2023. Au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, la question du retrait progressif de la MONUSCO dans ces pays de l'Afrique centrale a été aussi évoquée. Sur le volet élection, vous savez, le mandat que nous a confié le Conseil de sécurité l'année dernière, en décembre 2022, et qui est en cours maintenant, il est très précis sur le rôle de la MONUSCO par rapport à ce volet-là. C'est en fait un volet de soutien logistique et opérationnel dans les trois provinces où nous sommes encore, c'est-à-dire le Sud Kivu, les deux Kivu et l'Ituri. Donc, comme vous le savez, il y a quelques mois, à la demande des autorités, nous avions déjà transporté le matériel électoral dans ces provinces-là. Et nous sommes entièrement à la disposition des autorités pour continuer ce soutien logistique et opérationnelle. Depuis son déploiement en RDC, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a toujours été un partenaire par excellence du gouvernement congolais sur les plans de développement et des opérations. Les corps des sapeurs-pompiers vient de s'étendre en RDC. Après plusieurs provinces, ces corps a désormais une représentation dans la ville de Lubumbashi. C'est le fruit du partenariat entre la mairie de la ville de Lubumbashi et la Chambre de commerce et industrie RDC Europe. D'autres précisions avec Eugénie Dadachabani. Les incendies et catastrophes naturelles à la base d'importants dégâts matériels et pertes en vies humaines dans la ville de Lubumbashi seront désormais maîtrisés. La ville vient d'être dotée des sapeurs-pompiers professionnels formés sur le secourisme et la gestion des risques et des catastrophes par MLK Encyclopedia University. C'est une des actions du partenariat public-privé, mairie de Lubumbashi et Chambre de commerce et industrie RDC Europe. Après 2 mois de formation, les récipiendaires ont reçu leur brevet de participation sanctionnant la fin de leur formation. Avant le résumage, l'étude de terrain au président de la République sur l'État, il s'est payé sa pointe, qui ne laisse aucun effort pour trouver des solutions aux problèmes de sa population. C'est souvent du contrat suspendu et pour la matérialisation de la mission d'assurer la protection de la population contre les entreprises, les insalités, les catastrophes de tout genre, que nous avons implémenté cette convention de sa paix. Donc la belle promotion produit ces jours, sans session qui a débuté en date. C'était à l'hôtel de ville de Lubumbashi, devant le maire de la ville, Martin Kassembe. Ces sapeurs-pompiers vont constituer la première brigade des sapeurs-pompiers professionnels de la ville Cuprifère. Comme test, ils ont fait la première pratique dans une école de la ville. Le territoire de Mwenga dans le sud qui vous présente des besoins énormes en termes de développement, le président du conseil d'administration de la TMF a visité 15 regroupements de ces territoires pour apporter un message d'unité, comme nous dit Cédric Yenena. Le territoire de Mwenga a toujours été en fusion à chaque visite du PCA de la TMF, Trésor Moutiki. Près de 15 groupements visités avec un message. L'unité nationale entre communautés accompagnée de gestes de solidarité.
Kasika, les décors est tout autre. Les ponts Okwe s'est totalement affaissé et la RN2 bloquée. Il faut passer par des chemins détournés et Trésor Moutiki a promis de s'investir pour sa réhabilitation. La chefferie des Luindi à Kasika et Kalama ont accueilli le même message de fraternité. La TMF poursuit des objectifs à grande portée sociale pour le bien-être collectif, a-t-il signifié à l'assistance venue nombreux pour l'écouter. Direction la province voisine, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de finances, était hier sur le terrain. David Kabwa, c'est son nom, était tour à tour dans différents services d'assiette de la province. Objectif, sensibiliser sur la mobilisation de recettes. Benjamin Kabwanga pour d'autres détails. Nécessite des moyens conséquents, c'est dans ces contextes qu'il convient de circonscrire la descente sur terrain dans la région des Béni du conseiller principal du gouverneur militaire, le général Major Peter Thierry Mwabi, chargé des finances, infrastructures et économie au Nord Kivu, dans une mission de mobilisation des recettes pour donner à l'autorité provinciale les moyens de sa politique. Sur place, Maître David Kamwa réunit les agents de la DGRNK, les services d'assiette ainsi que de la DGDA. Les conseillers du gouverneur militaire, Maître David Kamwa, a réveillé l'esprit des agents de l'État pour une maximisation des recettes qui vont permettre aux services de sécurité à bouter l'ennemi hors du territoire national et de conserver l'intégrité territoriale. Cette mission très surchargée pour l'émissaire du gouverneur des provinces, le général-major Peter Thierry Mwami, lui a conduit dans la cité frontalière des Kassindi-Loubiria en passant par la commune rurale des Boulongo où les infrastructures en cours de construction ont été visitées par l'envoyé du gouverneur militaire dans cette partie du territoire des Béni. Je veux vous rassurer qu'ici, le travail que je vois est bien fait, sauf qu'il y a quelques petites réserves que je viens de donner à l'ingénieur et j'espère que d'ici un mois, l'autorité provinciale sera ici pour l'inauguration du bâtiment. Après la région des Béni, Maître David Kamwa a clôturé sa mission à Boutembo avant de regagner Diogo pour donner le rapport acquis des droits. Autre titre annoncé à l'ouverture de ces journaux, c'est une première pour la RDC. Le pays va siéger pour la première fois en tant que membre actif à l'Assemblée générale extraordinaire de Shelter Afrique des Assises qui s'ouvre déjà demain jusqu'au 6 octobre à Alger. La voix de la RDC est portée par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Sur place, il a aussi entrepris d'autres activités. Regardez. Pour la première fois, le drapeau de la RDC flottera aux côtés des autres drapeaux de pays membres de Shelter Afrique lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en Algérie à partir du 4 octobre. Et la voix de la RDC sera portée à ses assises par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Ses représentants de la RDC a foulé ces jours les sols algériens. Il a été chaleureusement accueilli par les émissaires du gouvernement algérien ainsi que les chargés d'affaires ad intérim de l'ambassade de la RDC en poste à Alger. Pendant 3 jours, soit du 4 au 6 octobre, les ministres d'État Pius Mwabilou et les participants à cette assemblée générale vont axer leurs travaux sur la problématique de la transformation des shelters Afrique en une banque de développement pour un logement durable et un développement urbain en Afrique. Mouma propice également pour les patrons des villes et des habitants en RDC, de présenter des projets ambitieux des constructions des nouvelles villes initiées par son pays, dans les soucis d'arracher plus de financements. En attendant le début des travaux, le ministre d'État Pius Mwabilou a visité le musée national de la République algérienne démocratique et populaire. Sur place, il a été reçu par la responsable de ces musées qui lui a remis dans la foulée un cadeau symbolique. C'était bien avant de recevoir le civilité de son homologue du Nigeria et aussi discuter avec lui sur certains points liés à la coopération entre les deux pays.
C'était le 2 octobre 1958, 65 ans déjà depuis que la Guinée-Conakry a accédé à son indépendance dans une ambiance de grands jours au siège de l'ambassade de la Guinée-Conakry à Kinshasa. Les ressortissants de son pays, de ces pays se sont retrouvés autour de leur ambassadeur pour célébrer cet heureux anniversaire. Diane Balakambombo et Tonton Makielele étaient sur place. 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, la communauté guinéenne vivant à Kinshasa en RDC arbore le rouge, le jaune, le vert, couleur du drapeau guinéen. Les jeunes, les femmes et les enfants célèbrent cette fête nationale à travers une soirée dansante et une journée sportive à la veille de cette fête nationale au cours de la dite. De notre pays. Au chapitre de la journée sportive, 40 joueurs guinéens répartis en 4 équipes de 10 ont croisé les fers. Le président de la communauté guinéenne en RDC, Diallo Mamadou, n'a pas manqué de mots à l'occasion. Pour qu'on puisse leur donner une satisfaction et leur montrer cette année de 2 octobre 1958, c'est notre fête de l'indépendance. Elle a eu son indépendance de la France le 2 octobre 1958, ce qui en fait le premier pays de l'Afrique française subsaharienne à s'émanciper du joug colonial. Lutte contre les cancers. Le commissariat général de l'énergie atomique veut apporter sa pierre. Un colloque a été initié à Kinshasa pour réfléchir autour de ces sujets hautement scientifiques. Cédric Inéna pour le reportage. Lutte contre les cancers en RDC. Le commissariat général de l'énergie atomique, CGEA, en première ligne. Ces colloques avaient comme thématique le CGEA, fer de lance de la lutte contre les cancers en RDC, a été ses cadres de discussion pour faire avancer la recherche. Dans la série d'interventions, le commissaire général à l'énergie atomique Steve Mwanza Kamunga a relevé les atouts indéniables du CGEA liés à la présence des unités telles que la médecine nucléaire, la radiopharmacie et les tests radio-immunologiques. Je veux remercier les chercheurs, ingénieurs, techniciens, les médecins de participer à ce colloque, avoir des informations, échanger ce qu'ils ont, faire du réseautage et tous s'approprier les différents projets de lutte contre le cancer pour essayer de créer une masse critique qui nous permettra d'avoir les moyens de mener à bien ces projets. D'autres interventions aussi pertinentes les unes des autres, se sont succédées à l'image de celle du directeur national de lutte contre les cancers, le professeur Bienvenu Leboisé, qui a signifié que la RDC n'est plus au stade zéro dans la lutte contre ces problèmes de santé publique. Ces colloques se tiennent à quelques semaines de l'arrivée à Kinshasa du directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique, une première depuis sa création en 1961. La coordination de la cellule technico-mixte de la masculinité positive s'active. La journée de sensibilisation sur la masculinité positive sera bientôt lancée à Kinshasa. Sa coordinatrice a présidé hier une réunion préparatoire des activités à déployer, comme nous disent Yvette Makuntima et Eric Djokien. Elle va porter les combats de toute une génération pour le droit de la femme. La cellule technique mixte de la masculinité positive se déploie, s'affiche et entreprend. Ces travaux préparatoires du journée de sensibilisation sur la masculinité positive et les débuts d'une longue série avec comme contenu la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans son adresse, la coordonnatrice de la cellule technique mixte de la masculinité positive, Julienne Safi Kandolo, est revenue sur les missions dévolues à cette structure féminine avant de présenter à l'assistance l'équipe qui en a reçu mandat. Il était question de présenter les différents départements organisés au niveau de la cellule technique de la masculinité positive
ensuite présenter de manière brève le programme d'activité pendant le mois d'octobre et le début du mois de novembre. Et nous allons également procéder par des sensibilisations, des conférences avec les responsables religieux, avec les chefs coutumiers à la fin de ce mois d'octobre. Cette activité fait suite à l'audience accordée dernièrement par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimoloko, à la CETEM, au cours de laquelle elle avait donné des orientations claires au comité dirigeant de cette structure pour l'implémentation de la masculinité positive dans l'ensemble du territoire national. Dans cette logique, une conférence sur la masculinité positive est prévue à l'Université pédagogique nationale devant la communauté estudiantine. Colosi, Eldorado du corridor sud RDC SADEC, c'est le thème retenu cette année lors de la 7e édition de l'Expo Béton qui se tient dans la province du Lualaba. Regardez. Le développement des infrastructures. C'est sous cette thématique que s'est ouverte la 7e édition de l'Expo Béton à Colosi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette grande messe a pour objectif d'établir un plan d'aménagement urbain qui n'existait pas au Lualaba étant une province minière. Le président du comité d'organisation et directeur général de l'Expo Béton a au cours de son discours remercié les opérateurs des divers secteurs et argentiers du pays pour leur participation. Jean Bamanis a fixé les différents axes sur lesquels va s'articuler ce salon du développement des villes à la RDC. Les différents axes sur lesquels les interventions et panels tels que dans notre programme s'articuleront autour sont premièrement la situation des infrastructures de transport multimodal et routes. Il sera ensuite question d'analyser ce que les économies locales retirent ou bénéficient lors de tous les cycles d'exploitation minière qui commencent par des recherches et prospections, les ouvertures des voies d'accès, les constructions et fonctionnement des industries, les ouvertures des carrières et mines, la fin des vies de ces dernières qui vont de 30 à plus de 100 ans pour 5 ans. Germain Pongui, président de l'AFEC du Lualaba, a quant à lui condamné l'octroi de grands marchés des constructions aux entreprises à capitaux étrangers au détriment de celles à capitaux congolais. Les entités à capitaux congolais, et pendant les domaines de construction, peinent à s'imposer sur les marchés. C'est fini pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, ce journal a connu le concours rédactionnel des Merveilles Mikomo. Il a été réalisé par Monique Mavungu, Patti Kwedi. La partie technique a été assurée par José Dimonekene ainsi que Diedoné Angumba. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez dans moins de 30 minutes Anita Luamba-Tchala pour le journal des 20h. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.